Et bien voilà pour la partie ce coup-ci, oui, 31, 32, je me suis trompé tout à l'heure. Partie 32 du montage de la DRZ3 MSA. Donc c'est le support d'amortisseur arrière qui est là dans le kit, qui est d'origine en aluminium. Voilà, cette belle pièce. Nous avons besoin de ça. De vis tête bombée de 2, il m'en faut 4. Donc on vient monter, donc on voit qu'il y a une rainure, la rainure est côté. Donc je me mets au point le plus haut. Voilà pour un, je monte de l'autre côté, donc ça c'est ce qui va accueillir la jambe de force arrière. Contact. Voilà, j'ai monté ces deux là. Alors après, il nous faut ça. On passe la rotule à travers. Ok. On vient mettre un joint torique. La bague de réglage d'amortisseur. Ok. Alors, quelle clé c'est ça? Alors, voilà, je vais tenir ça comme ça. Le long ressort. Ça, on peut le glisser après. Et la chape. Alors, la chape, c'est laquelle? Chape de 2,5. Celle-ci qu'on vient visser au bout de notre tige d'amortisseur. Dès que vous sentez que ça force un peu, vous arrêtez, donc là. Et ensuite on vient mettre la coupelle d'amortisseur qui vient sur la chape. Je vais serrer un peu tout ça. Voilà, et ça vient se clipser ici, clac, c'est bon pour vous. Allez, je fais le deuxième et on passe à l'étape 33, salut.